Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne de télévision Réveil TV. C'est l'émission Le Quiz Biblique. Donc alors le principe de l'émission est simple. Nous voulons simplement encourager les frères et les sœurs à prendre la parole du Seigneur, n'est-ce pas, par des questions. Nous voulons apprendre aux frères à, n'est-ce pas, à cultiver, n'est-ce pas, enrichir leur culture biblique dans la joie, la gaieté et la bonne humeur. Donc, en premier lieu, nous voulons déjà remercier les frères et les sœurs qui ont conçu l'application de questions-réponses qui s'affiche sur votre petit écran. Donc, vous allez sur Play Store, vous pouvez la télécharger gratuitement et cela vous permettra, n'est-ce pas, d'apprendre davantage un peu plus de la parole du Seigneur par des questions. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première question. La première question, voilà, donc le principe de l'émission est simple. Les questions nous sont posées et nous devons y répondre. Donc ici, nous avons la première question de notre émission. Combien d'années s'écoulèrent entre la promulgation de la loi et le partage de Canaan? Donc en fonction, n'est-ce pas, de la réponse que vous choisissez, vous, n'est-ce pas, sélectionnerez le coup de couleur ou le rouge ou le jaune ou le bleu. Et l'autre principe, il faut répondre le plus rapidement possible parce qu'il peut arriver que vous avez tous la bonne réponse, n'est-ce pas? Mais celui qui répondra le plus rapidement possible aura le plus grand nombre de points. Donc il n'y a pas de perdant, ou on gagne ou on apprend. Donc la première question est de savoir combien d'années s'écoulèrent entre la promulgation de la loi et le partage de Canaan. Donc on voit qu'on a déjà eu trois réponses. Et il manque une dernière réponse. Plus que 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une seconde autant pour moi. Et la bonne réponse était... Voilà, nous avons une personne qui a répondu à la bonne question. La bonne réponse était simplement 46 ans. Donc on peut, n'est-ce pas, voir l'explication. Donc l'explication, n'est-ce pas? Voilà. Donc Israël fut tenté dans le désert pendant 40 ans. Donc Deutéronome 8 à 2, Psaume 95, verset 8 à 10. On dit cette période fut suivie par 6 ans de guerre en Canaan pendant lesquels le pays fut partagé entre les tribus. Donc on voit que Israël a mis 40 ans dans le désert et voilà, 6 années se sont écoulées entre la guerre. 6 ans se sont écoulés. Voilà. Donc... La bonne réponse était 46 ans. Donc, sans plus tarder, on va passer à la deuxième question. Donc, voilà, c'est Yannick, notre frère, qui a répondu à la bonne question. Il a 513 points. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, on peut comme ça passer à la seconde question. Voilà, donc la deuxième question nous est posée. Et chacun a son smartphone. Combien d'années s'écoulèrent entre l'alliance avec Abraham et la promulgation de la loi? Donc on peut penser que la question est similaire, non? C'est une autre question qui nous est posée. Combien d'années s'écoulèrent entre l'alliance avec Abraham et la promulgation de la loi? Question 1, réponse 1, 430 ans. Réponse 2, 350 ans. Ou réponse 3, 200 ans. Donc vous avez comme ça une minute pour pouvoir y répondre. Et n'oubliez pas le principe, vous devez répondre le plus rapidement possible pour avoir la bonne réponse. Mais n'empêche que il faut aussi un peu réfléchir, un peu de réflexion biblique. C'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est des passages que pour la plupart on a lu des années antérieures. Mais le Seigneur est bon, un peu de rafraîchissement, plus que 5, 4, 3, 2 et 1 seconde. Et la réponse à la question est... La réponse à la question... Donc merci à la régie de nous afficher la réponse à la question. Donc la technique aussi assez caprice, nous avons net bondi à l'explication. Si on peut revenir d'abord sur la réponse à la question, s'il vous plaît. Voilà, donc la réponse à la question était 430 ans. Donc nous avons eu droit à deux bonnes réponses. Donc on peut, n'est-ce pas, basculer maintenant à l'explication.
Donc l'explication se trouve dans Galates chapitre 3 à partir du verset 17. Donc on peut voir les frères, n'est-ce pas, qui ont répondu couramment, qui ont bien répondu, s'il vous plaît. Donc on a Yannick qui a bien répondu, on a aussi Paul qui a bien répondu. Donc Yannick a 1147 points et Paul 861 points. Donc on encourage Evra et Tanguy pour les prochaines réponses. Donc comme ça on peut passer à la troisième question, s'il vous plaît frère. Donc c'est des bons moments. Troisième question. Donc il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Nous voulons simplement être dans des temps de gaieté. Troisième question. Combien d'années s'écoulèrent entre le déluge et l'alliance avec Abraham? Si on peut réduire, faire, voilà, merci. Combien d'années s'écoulèrent entre la fin du déluge et l'alliance avec Abraham? Donc vous avez comme ça une minute, frère, pour répondre à cette question. Combien d'années s'écoulèrent entre la fin du déluge et l'alliance avec Abraham? Première question, code couleur rouge, 550 ans. Deuxième réponse, code couleur bleu, 630 ans. Troisième réponse, 427 ans, code couleur jaune. Donc à vos téléphones pour répondre. Depuis chez vous, vous pouvez aussi jouer en famille, pour ceux qui sont en famille et seuls pour ceux qui le sont, vous pouvez répondre depuis chez vous et ça permet de savoir un peu à quel niveau vous vous situez par rapport aux différentes questions posées. Donc plus que quelques secondes, on voit qu'on n'a que deux candidats qui ont répondu, plus que trois secondes, plus que une seconde, plus que... Et nous sommes arrivés. Et voilà, nous avons trois bonnes réponses. La réponse était 427 ans. Si on peut comme ça basculer du côté de l'explication, parce que le Seigneur se souvient toute chose par sa parole. Donc l'explication est dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 10. Donc pour ceux qui ont des Bibles à la maison ou pour ceux qui ont des cahiers, peuvent noter. Donc la bonne réponse est dans Genèse chapitre 11, le verset 10. Donc on peut voir, n'est-ce pas, les scores qui peuvent s'afficher sur l'écran, s'il vous plaît. Donc on a en tête notre frère Yannick, on a Paul, Evra et notre frère Tanguy qui ont dernière position. Mais il n'y a pas de souci, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous enseigne la parole. Donc comme ça, on peut passer à la quatrième réponse, à la quatrième question, excusez-moi. Quatrième question. Voilà, quatrième question. Combien d'années s'écoulèrent entre la création d'Adam jusqu'au jour où les eaux séchèrent de dessus la terre? Donc je vais répondre à la question. Combien d'années s'écoulèrent entre la création d'Adam jusqu'au jour où les eaux séchèrent de dessus la terre? Première réponse, 1800 ans, code couleur rouge. Deuxième réponse, 1656 ans, code couleur bleu. Troisième réponse, 1350 ans. Donc à vos claviers les frères, et pour ceux qui nous suivent depuis leur petit écran à la maison, voilà, à vos Bibles. Donc plus que quelques secondes avant que la bonne réponse ne s'affiche. Et du côté de nos candidats, nous n'avons eu droit qu'à deux réponses. Où sont les autres frères? Donc la bonne réponse était 1656 ans et nous avons eu droit à une bonne réponse. Voilà, que le Seigneur soit béni. Si on peut basculer du côté de l'explication, une fois de plus. Donc c'est ça le principe. Question, explication, réponse, explication, autant pour moi. Si on peut du côté de l'explication. Donc Adam vécut 130 ans et engendra un fils et appela son nom Seth. Donc la bonne réponse est dans Genèse chapitre 5 à partir du verset 3. Donc vous pouvez prendre des notes ou vérifier dans votre Bible. Donc on peut basculer, voir les frères qui ont répondu correctement. Voilà, donc on a toujours Yannick qui est en tête, suivi de Paul et d'Evra. Donc, qui va lentement va sûrement un dicton que le monde nous apprend. On peut comme ça basculer du côté de la prochaine question, frère. Donc, cinquième question. Donc, nous sommes sur la cinquième question. Cinquième question, s'il vous plaît, si... Voilà. Ismaël, fils d'Abraham, avait-il 13 ans de plus que son frère Isaac? Oui ou non? Question fermée ou aucune idée?
Donc nous sommes en mode réflexion. Ismaël, fils d'Abraham, avait-il 13 ans de plus que son frère Isaac? Donc la bonne réponse était simplement oui. Donc nous avons eu droit encore à une bonne réponse et trois mauvaises réponses. Si on peut comme ça basculer du côté de l'explication. Explication, la régie, s'il vous plaît. Donc Isaac avait bel et bien 13 ans de plus que son... Donc la réponse est simplement dans Genèse chapitre 17 au verset 25. Abraham fut circoncis à 99 ans et son fils Ismaël à 13 ans. Donc il y avait 13 ans d'écart entre Ismaël et Isaac. Donc on peut voir, basculer du côté des bonnes réponses, pour voir ceux qui ont correctement répondu une fois de plus. Les réponses, s'il vous plaît, on veut voir les scores. Au fur et à mesure, on veut montrer les scores. S'il vous plaît, les scores. Si les scores peuvent s'afficher sur notre petit écran, les scores, s'il vous plaît. Voilà, donc on a Tanguy qui a donné la bonne réponse et il remonte au score avec 916 points. Donc nous voulons encourager tous les participants, voilà, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Yeshua. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors nous passons à la prochaine question. Question 6 sur 26 questions. Donc nous sommes à la question 6. Question 6. Comment les petits-fils de Lot s'appelaient-ils? Donc la question, comment les fils de Lot s'appelaient-ils? Moab, côte couleur bleue, Moab ou Ben Ami ou Moab Ammonite ou ni l'un ni l'autre. Donc nous avons droit déjà à deux réponses, trois réponses, plus qu'une. Voilà. Malheureusement, nous n'avons eu aucune bonne réponse car la réponse était Moab Ben Ami. Donc si on peut basculer du côté de l'explication, s'il vous plaît. Nous n'avons eu droit à aucune bonne réponse. Donc sur le verset 36 du passage ci-dessous. Donc c'est le verset 36 de Genèse chapitre 19 qui nous en parle. Ainsi les filles de Lot conçurent de leur père. L'aîné enfantin, fils qu'elle appelle du nom de Moab, c'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. Donc la bonne réponse était Moab. Donc on va sans plus tarder passer à la prochaine question. On reviendra sur les scores un peu plus tard, comme il n'y a pas eu de bonne réponse. Voilà, donc les scores restent indemnes. Puisqu'il n'y a pas eu de bonne réponse, donc on va passer à la prochaine question. Septième question. Comment la fille cadette de Lot appela-t-elle le fils qu'elle conçut de lui? Ah, question piège. Un peu de réflexion et on compte toujours sur le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses. Comment la fille cadette de Lot appela-t-elle le fils qu'elle conçut de lui? Moab, Ben Ami, Ammonite. Frère, la réponse est sous vos yeux. Il suffit de consulter, n'est-ce pas, le sens de la réflexion, de consulter le Saint-Esprit qui est notre ami fidèle. Parce que même dans ce genre de moment, il est toujours présent avec nous et en nous. Plus que 20 secondes. Comment la fille cadette de Lot appela-t-elle le fils qu'elle conçut de lui? Donc, lorsqu'aucune bonne réponse n'est donnée, ça ne sert à rien qu'on aille voir les scores, s'il vous plaît, à la régie, s'il vous plaît. Plus que quelques secondes, Moab, Ammonite ou Ben Ami. La bonne réponse était Ben Ami et nous avons eu droit à une bonne réponse. Donc, on va basculer sur le passage qui nous donne l'explication. Genèse 39, verset 26. Ainsi, les deux filles de Lot conçurent de leur père. Et l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune aussi enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Donc, la bonne réponse était dans Genèse chapitre 19, le verset 36. On peut voir les scores, s'il vous plaît. Les scores. Donc, on a Paul qui prend la tête de ce quiz biblique. Que le Seigneur soit pleinement béni. Donc, comme ça, on va passer à la prochaine question. Voilà la prochaine question, la question 8 de notre quiz biblique.
La question 8 de notre quiz biblique, c'est des bons moments. Voilà, profitez de ce temps en famille ou seul. Fait des bons moments de détente avec la parole du Seigneur. Comment la fille aînée de Lot appela-t-elle le fils qu'elle conçut de lui? Ce ne sont pas les mêmes questions pour vous dire vrai. C'est des questions juste qui amènent à un peu plus réfléchir. Comment la fille aînée de Lot appela-t-elle le fils qu'elle conçut de lui? Est-ce que c'est Moab, côte couleur rouge? Est-ce que c'est Ben-Ami, côte couleur bleue? Est-ce que c'est Ammonite, côte couleur jaune? Comme le bonhomme sur l'écran, je suppose que nos frères, n'est-ce pas, qui participent sont en mode réflexion, en mode cogito. Plus que quelques secondes avant, n'est-ce pas, que s'affiche les réponses. Donc voilà, la bonne question, la bonne réponse était Moab. Et nous avons 3 bonnes réponses. Que le Seigneur soit béni. Si on peut passer du côté de l'explication. Toujours dans Genèse chapitre 19, le verset 36, rien ne change. Donc la bonne question, vous l'avez vu sur votre petit écran. Donc si on peut basculer du côté des scores. Les scores s'il vous plaît. Voilà, donc on a Evra et Tanguy qui repassent. Et comme la Bible dit, les premiers seront les derniers. Donc on a notre frère Yannick qui est au bas de l'échelle. Mais rien n'est perdu car la victoire c'est à la 26e question. Donc on va passer à la prochaine question s'il vous plaît. Prochaine question. Question 9. Question 9 de notre quiz biblique. Quelle boisson les filles de Lot lui donnèrent-elles à boire afin de coucher avec lui? Est-ce que c'est du vin? Est-ce que c'est un mélange de liqueur? Est-ce que c'est une liqueur forte? Surtout pas de précipitation car il y a un piège dans cette question. Pas de précipitation. Prenons le temps, n'est-ce pas, de nous rappeler lorsqu'on avait médité ce passage. Est-ce que c'était du vin? Est-ce que c'était de la liqueur forte? Est-ce que c'était un mélange de liqueur? Donc, nous faisons confiance au Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses. Quelle boisson les filles de Lot donnèrent-elles à boire? Les filles de Lot lui donnèrent-elles à boire afin de coucher avec lui? Donc, en fonction de la question, n'est-ce pas, de votre réponse, vous choisirez un code couleur. Plus que quelques secondes. Et la bonne réponse était, bien évidemment, du vin issu de la vigne. Donc, on va passer du côté de l'explication. 3 bonnes réponses. Donc, c'est Genèse chapitre 19 à partir du verset 31. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous selon la coutume de tous les pays. Donc, vous pourrez lire, prendre des notes. Donc, c'était du vin. La bonne question est, la bonne réponse était dans Genèse chapitre 19, verset 31. On peut basculer du côté des scores. Et voilà, le match est en train de se resserrer de plus en plus. Donc, on a toujours Paul à la tête, suivi de Tanguy qui était tout à l'heure dernier et qui est en train de remonter. Donc, la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des temps difficiles et il y a aussi des temps où on se reprend. Prochaine question, s'il vous plaît. Prochaine question. Donc, nous sommes à notre 10e question. 10e question de notre quiz biblique. Pourquoi les filles de Lot couchèrent-elles avec leur père? Pourquoi les filles de Lot couchèrent-elles avec leur père? Parce qu'elles ne voulaient pas que leur père meure sans postérité, côte couleur rouge. Parce qu'elles tombèrent amoureuses de leur père, côte couleur bleue. Parce qu'il n'y avait pas d'homme afin de conserver la race de leur père, côte couleur jaune. Plus que une vingtaine de secondes, réflexion. Je crois que tous les candidats ont répondu et tous ont trouvé. C'est parce qu'il n'y avait pas d'homme afin de conserver la race de leur père. On peut voir que nos frères sont de fervents chrétiens qui méditent leurs paroles comme il se doit. L'explication, s'il vous plaît. On va aller du côté de l'explication. Donc, simplement dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 31. Ce quiz biblique aussi, n'est-ce pas, nous permet davantage de nous remémorer des passages déjà lus. Donc, on va basculer du côté des scores, s'il vous plaît. Il y en a toujours en tête Paul, suivi de Tanguy, Devra et enfin Yannick. Prochaine question.
Question 11. Onzième question, s'il vous plaît. Onzième question de notre quiz biblique. Pourquoi la femme de Lot devint-elle une statue de sel? Pourquoi la femme de Lot devint-elle une statue de sel? Parce qu'elle regarda en arrière. Parce qu'elle tomba en son, elle tomba en s'enfuyant. Parce qu'elle ne voulut pas sortir de Sodome. Comme le petit bonhomme sur l'écran, on suppose que nos frères sont en mode réflexion. Et tous nos quatre, voilà frères, ont trouvé la bonne réponse. C'est parce qu'elle regarda en arrière tout simplement. Et le passage qui nous l'explique est dans Genèse chapitre 19, le verset 26. Mais la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Donc on peut aller sur les scores. Voilà, le match est véritablement serré. Prochaine question, s'il vous plaît. Question 12, si j'ai bonne mémoire. Voilà, 12e question. Comment Yahweh détruisit-il les villes de Sodome et de Gomorre? Comment Yahweh détruisit-il les villes de Sodome et Gomorre? Voilà, à vous de répondre. Par un tremblement de terre, en faisant pleuvoir du soufre et du feu, en faisant pleuvoir de la grêle et du feu. Réfléchissons. Et tous nos quatre frères ont trouvé. En faisant pleuvoir du soufre et du feu, on va basculer du côté du passage qui nous le confirme. Donc, explication est dans Genèse 19, verset 24. Alors Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de la part de Yahweh. On va aller du côté des scores. Et toujours Paul en tête. Prochaine question. Question numéro 13. Prochaine question, s'il vous plaît, mes frères de la régie. Question 13. L'ange de Yahweh était-il parmi les deux anges que Lot reçut chez lui? L'ange de Yahweh était-il parmi les deux anges que Lot reçut chez lui? Oui ou non? Ou vous n'avez aucune idée? À vos Bibles, méditeurs de la parole, amoureux et férus de la parole de Yeshua, quelle est la bonne réponse, frères et sœurs? Même depuis chez vous, vous pouvez jouer, participer à ce jeu dans la simplicité la plus absolue. On a eu droit à deux bonnes réponses. La réponse était bel et bien oui. On va basculer du côté du passage qui nous l'explique. C'est le verset 21 qui nous l'explique. Alors on va aller sur le verset 21. Et il lui dit, voici je t'ai exaucé encore en cela. Je ne détruirai pas la ville dont tu as parlé. Donc on voit bel et bien dans Genèse chapitre 19, le verset 21. Du côté du score. Le score s'il vous plaît. Et Paul toujours en tête suivi de Tanguy qui a pris la deuxième place s'il vous plaît. Prochaine question. Question numéro 13. 14 autant pour moi. Question numéro 14. Question numéro 14. Combien de personnes Yahweh épargna-t-il du châtiment de la ville de Sodome? Combien de personnes Yahweh épargna-t-il du châtiment de la ville de Sodome? 3 personnes, 4 personnes ou 5 personnes? On voit qu'en bout de 40 secondes, nous avons... Voilà. La bonne question, réponse était 4 personnes. Le passage à l'écran qui nous l'explique, s'il vous plaît. Genèse 19, 15. Dès l'aube du jour, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Donc la bonne réponse est dans Genèse chapitre 19 verset 15. On va basculer du côté des scores. Les scores. Paul toujours en tête suivi de Tanguy. Yannick à la dernière place. Mon frère, rien n'est perdu. Prochaine question. Prochaine question. Question 15. En quel lieu Lot, neveu d'Abraham, vivait-il? En quel lieu Lot, neveu d'Abraham, vivait-il? Sodome, Gomorre ou Sophim? Sodome, Gomorre ou Sophim? Ils ont tous trouvé, c'était la ville de Sodome. Passage qui nous le prouve, qui nous le confirme. Genèse chapitre 19, le premier verset. Donc vous pouvez prendre des notes aussi. Ou vous pouvez... Voilà,
lire le score. Toujours la même chose. Prochaine question. 16e question. Lot, le neveu d'Abraham, avait-il des gens de la Sodome? On y va plus vite que cela, oui ou non? Et il y a trois qui ont bien répondu. La réponse était oui. Et le passage qui nous le confirme est dans Genèse chapitre 19, le verset 14. Lot sortit donc et parla à ses gendres. Voilà, Genèse 19, 14. Donc on peut aller du côté des scores qui est en tête. Et toujours Paul en tête, mais il y a Tanguy qui est en train de remonter sérieusement à la marque. Comme prochaine réponse, prochaine question s'il vous plaît. Question 17. Donc c'est des bons moments, c'est des moments de joie, des moments d'amour, de partage. Voilà, pas eu le temps de répondre, qu'ils avaient déjà répondu. Ça va très très vite. Donc l'autre neveu d'Abraham a combien de filles? Deux filles. Passage qui nous le confirme, là c'est grave. Les frères sont vraiment déchaînés, tout le monde veut remporter la victoire. Le passage qui nous l'explique est dans Genèse chapitre 19, verset 14. L'autre sortit donc et parla à ses gendres, voilà, levez-vous et sortez de ce lieu car il arriva de tuer la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plein, donc il avait deux gendres. Donc Genèse chapitre 19, verset 14. C'est plutôt Genèse chapitre. Bon, voilà, on va voir du côté du score. La technique aussi assez caprice. Il n'y a pas de perfection sur la terre. Donc, Paul est toujours en tête, suivi de Tanguy, Devra et enfin Yannick. Prochaine question, s'il vous plaît. Question numéro 18. Que voulaient faire les hommes de Sodome aux deux anges de Yahweh qui étaient venus chez Lot? Ils voulaient les dépouiller, ils voulaient les violer. La bonne réponse était, ils voulaient les violer. Tous les frères ont bien répondu. On va aller du côté de l'explication. Genèse chapitre 19, le verset 4 était la bonne réponse. Genèse chapitre 19, le verset 4 est la bonne réponse. On peut aller du côté des scores. Les scores. Et Tanguy passe en tête de liste, suivi de Paul, Evra et Yannick. Les choses ne font que bouger du côté, n'est-ce pas, de nos quatre frères. Prochaine réponse, prochaine question, s'il vous plaît. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Question 19. Plus que 7 questions après. Où Lot était-il lorsqu'il vit les deux anges de Yahweh qui vinrent juger Sodome et Gomorre? Lot était assis à la porte de Sodome. Lot était assis à la porte de sa maison. La bonne réponse, Lot était assis à la porte de Sodome. Et nos quatre candidats ont trouvé la bonne réponse. Le passage qui nous le confirme est dans Genèse. Passage qui le confirme, Genèse chapitre 19, le verset 4. Genèse chapitre 19, le verset 4 est le passage qui nous le confirme. Genèse chapitre 19, le premier verset. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome et l'autre était assis à la porte de Sodome. La bonne réponse est Genèse chapitre 19, le premier verset. Les scores, s'il vous plaît. Les scores. Toujours Tanguy en tête, Paul, Evra et Yannick. Prochaine question. Question numéro 20. Plus que 6 questions. Donc, c'est la 20e question. À quel moment de la journée les anges de Yahweh qui vinrent jusqu'à Sodome et Gomorre arrivèrent-ils à Sodome? Le matin, midi ou le soir? La bonne réponse était tout simplement le soir. Et les quatre candidats ont trouvé. Et le passage qui le confirme est dans Genèse chapitre 19, le premier verset justement. Or sur le soir, c'était bel et bien le soir. On va basculer du côté des scores. Les scores s'il vous plaît. Tanguy toujours en tête, suivi de Paul, Evra et Yannick. Prochaine question s'il vous plaît. Nos frères de la régie. Question numéro 21. Numéro 21. En quel lieu Yahweh apparut à Abraham avant d'aller juger Sodome et Gomorre?
dans les plaines de Mamré, parmi les chiens de Tseboïm, dans les plaines de Béla. En quel lieu apparut Abraham? Donc la bonne réponse était dans les plaines de Mamré. Nous avons eu droit à trois réponses. Est-ce qu'on peut voir le passage qui nous le confirme, s'il vous plaît? Genèse chapitre 18, le verset 1. Donc Genèse chapitre 18, le verset 1 à 2 nous confirme cela. Les scores. Tanguy en tête, suivi de Paul, Evra et Yannick. Les choses n'ont pas bougé. Prochaine question. Question 22. Question 22. 22e question. Pourquoi Sarah n'y a-t-elle d'avoir ri en disant « Ferait-il vrai que j'aurai un enfant étant vieille comme je suis ?» Parce qu'elle était étonnée, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle avait ri en elle-même. Donc nous avons déjà droit à trois réponses, plus qu'une seule réponse. La bonne réponse était parce qu'elle avait peur. Et nous avons un candidat qui a trouvé et on va voir le passage qui le confirme. Je suis impatient de voir ce seul candidat qui a trouvé. Donc c'est le verset 15 du chapitre 18 qui le confirme. Le verset 15 du chapitre 18. Et Sarah le nia en disant « Je n'ai pas ri car elle avait peur ». Les scores s'il vous plaît. Qui a trouvé la bonne réponse? C'est Yannick et Yannick qui remonte à la troisième place. Prochaine question s'il vous plaît, mes frères à la régie. Donc nous sommes à la question numéro 23. Yahweh n'alla pas détruire Sodome et Gomorrhe s'il trouvait combien de justes? Donc Yahweh Yahweh n'allait pas de tout Sodome et Gomorrhe s'il trouva combien de justes? 2, 10, 20. Donc la bonne réponse était 10 justes. Il y a 3 de nos frères qui ont trouvé. Donc le passage qui nous le confirme s'il vous plaît. Donc c'était 10 justes. Genèse chapitre 18, le verset 32. Donc Genèse chapitre 18, verset 32. Donc on peut basculer du côté des scores. Les scores s'il vous plaît. Tanguy en tête, suivi de Paul et Yannick. Prochaine question. Question 24. Plus que deux questions, frère. À quel âge Ismaël, le fils aîné d'Abraham, fut-il circoncis? 8 jours, 8 ans, 13 ans. 13 ans, 8 jours, 8 ans. 8 jours, 8 ans, 13 ans. Quelle est la bonne réponse, frère? Réflexion, réflexion. Saint-Esprit, rappelle-nous toutes choses. Quelle est la bonne réponse? 13 ans, 8 jours ou 8 ans? 13 ans, 8 jours ou 8 ans? À quel âge Ismaël, le fils aîné d'Abraham? La bonne réponse était 13 ans. On a une seule bonne réponse. Passage à l'appui qui nous le confirme, s'il vous plaît. Nos frères de la régie. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 17. Du verset 22 à 27. Donc, vous lisez cette histoire, vous aurez la bonne réponse. Verset 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc, Genèse chapitre 17, le verset 25 est le passage qui nous le confirme. On va basculer du côté des scores pour voir le frère qui a trouvé la bonne réponse. Et c'est Tanguy qui a trouvé la bonne réponse. Prochaine question. Plus qu'une question et nous arriverons au terme de notre quiz biblique. Quel âge Sarah avait-elle lorsque le fils aîné d'Abraham naquit? Quel âge Sarah avait-elle lorsque le fils aîné d'Abraham naquit? 86 ans, 85 ans, 76 ans. 76 ans, 86 ans ou 80 ans? La bonne réponse était 76 ans. Le passage qui nous le confirme s'il vous plaît. C'est le verset 17 de Genèse 17. Dans le verset 17 de Genèse 17. Alors Abraham se prosterna la face contre terre et sourit en disant à son cœur, déjà t'es un fils à un homme âgé de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans lorsqu'elle aurait-elle un enfant. Donc on va basculer du côté des scores s'il vous plaît. C'est Paul qui a trouvé la bonne réponse. Et nous passons comme ça à la dernière question de notre quiz biblique. Dernière question de notre quiz biblique.
Sarai avait quel âge lorsque Yahweh changea son nom en Sarah? Donc Sarai avait quel âge lorsque Yahweh changea son nom en Sarah? 90 ans, 89 ans ou 99 ans? 99 ans, coup de couleur bleue. Et tous nos concurrents, tous nos frères ont répondu, ce ne sont pas des concurrents. Tous nos frères ont répondu. La bonne réponse est Sarah avait quel âge? Donc la bonne réponse était 89 ans. 89 ans. Donc on peut voir le passage qui nous le confirme. C'est le verset 17 du chapitre 17. Donc c'est le verset 17 de Genèse chapitre 17 qui nous le confirme. Donc on va aller du côté des scores. On va aller du côté des scores. Donc en deuxième position, on a eu Paul, troisième position Yannick. Et le vainqueur de ce premier quiz biblique n'est autre que Tanguy, notre frère. Et nous voulons acclamer le Seigneur. Donc en première position, c'est Tanguy avec 21 070 points. Il a répondu à 17 bonnes réponses. Le deuxième était Paul, n'est-ce pas, avec 21 69 points. Il a répondu à 19 questions. Et le troisième était Yannick avec 17 440 points. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc voilà, frères et sœurs, c'était votre émission, le quiz biblique. Donc, nous souhaitons rappeler, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent s'exercer, c'est sur Play Store, l'application, c'est questions-réponses, vous y allez, vous pouvez le télécharger et vous entraîner. C'est une application gratuite et nous voulons encore une fois de plus bénir le Seigneur pour nos frères, n'est-ce pas, qui ont abattu ce travail d'arrache-pied. Donc, c'était comme ça votre émission, le quiz biblique. À une prochaine émission par la grâce du Seigneur, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Yeshua. Paix et grâce. Bonne soirée chez vous.